Voilà, bienvenue dans le résumé de la troisième soirée du Jura Tapeiro qui s'est déroulée le samedi 30 novembre. Ce soir, vous aurez un aperçu du travail exemplaire réalisé par les chefs de groupe tels que ASTV Rua, Ori Itahiti, Hura Mana, Orei Neari'i, Hinemanea 2 et Hitireba Bakana. Bonsoir, je m'appelle Poutou Verani, je fais partie du groupe de l'ASTV Rua. Cette année, j'ai choisi le thème qui vient de Paia, dans une vallée qui s'appelle Hupa, qui s'intitule « La femme dans le jardin des fleurs ». C'est une femme, c'est un couple qui a une fille, mais comme ils n'ont pas eu trop le choix avec les paroles des dieux, ça fait que cette fille, après ses 6 ans, elle s'est transformée en fleur. Seul un prince qui l'a délivrée de ce sortilège. D'un club de volley-ball qu'on a voulu s'intégrer dans la danse. C'est pour ça qu'on a voulu participer cette année au Jura Tapeiro. C'est la première année qu'on participe au Jura Tapeiro, mais pour certains des... Les musiques ont été créées par ma copine, qui a été écrite par ma copine, qui s'appelle Armandine Manari, et qui a été composée par mes choristes. Les costumes, c'est moi avec ma famille et que je remercie une couturière de Paia. Bon courage à nous, à mon groupe, et je salue toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci. Toi, tu as trouvé un habituel à tirer pour nos orientaïti, irait me très matamoi et matéti, teva itéti. Tu es mon bro, na tania ara apotoi papa imai. Oh.
wan hau mai te tamatu mo faini mira ai tamatu i ha amauru ro atu no te mea mea rai te mo tapuro hipa ta te pupu ori teiti i fan hau mai no te ima teiti e noria wa faini ni matu i te i tumu parau i te i ori e ono teime e i roto na e ho e teime i roto ho e teime e piti hora ia no te faini ni trai ori te feia himene te feia rohi pohe wainei na mai tei ai taro atu wo i te noa te tei sisi a ore ra ria ria o i apanei e te veira te ria ria i te tui ratou ai tara tara ria ria i rei no te mea wa whaatehi e te parau no te arufa wa whaatehi e te parau no tere te arufa te ho e ra te heha e te whaatura whaatura te tata i te tata tarai aroni ia we ha maruru mai te eight feia ori te feia himene te feia rohi pe atua e te mau ta ta atua o te rohi mai i muri mai no te ia ia tuha a mehura no te ima te hitipiti tau tili ahuru mā tūru. Je m'appelle Hono Urapani, j'ai 24 ans, je suis responsable et chorégraphe du groupe Huramana. Et on participe au Hurata Pairu en catégorie Mehura. Notre thème, c'est « Bonjour l'amour, vive ma liberté ». C'est une histoire d'amour qui parle d'un couple déjà, hein. Surtout d'une femme qui n'est pas, c'est pas une femme qui reste à sa place, c'est quelqu'un qui elle n'aimerait pas rester chez elle à attendre son mari après le travail, sans rien faire, juste à faire la cuisine, tout ça. Elle, c'est voir ailleurs, c'est goûter aux différentes saveurs de la vie. Voilà, c'est un peu ça, on parle un peu de ça dans l'histoire. Hein. A été choisi. Enfin, mes danseuses surtout arrivent à ne plus avoir le trac et puis arrivent à bien exprimer ce que notre thème veut dire quoi, hein, par rapport à l'expression du visage, la grâce et surtout on est en catégorie Mehura. C'est pas un simple appariement. Il y a tout qui joue à l'intérieur. Il y a la grâce, l'expression, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais j'ai confiance. On est là pour s'amuser avant tout. Hein. Bonsoir, je m'appelle Hina Nui Snow et je suis danseuse dans la troupe Oreignari. Que nous avons choisi est Ta'atihi Amei Te Manao Te Here et c'est une légende qui a été inventée par le groupe. Mmh.
notre légende parle de quatre princes qui devront choisir une épouse parmi deux clans de filles, les filles du soleil et les filles de la lune. Il est de tradition que les hommes que les princes choisissent les filles du soleil. Mais malheureusement, l'un des princes tombera amoureux d'une fille de la lune, ce qui engendrera des guerres et de nombreuses péripéties. Mais au final, l'amour triomphera et les deux clans se réuniront. Et voilà, d'où le nom de notre thème, Ta'atihiyamei te Manao Tehere. Nous sommes une troupe qui vient de Tuahutu et nous sommes une trentaine d'éléments, une dizaine de filles, une dizaine de garçons et une dizaine de batteurs. Juste avant de monter sur scène, on ressent toujours un peu de stress, mais en même temps c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré plusieurs mois. Donc, nous sommes heureux de monter sur scène ce soir. Tous les costumes ont été faits par nous-mêmes. Donc, hier soir encore, nous étions sur la confection des costumes végétaux. Voilà. Tapairu est une occasion pour les troupes qui sont les plus petites troupes de monter sur scène puisque le Heiva est réservé aux grands groupes qui sont composés de plus d'une centaine d'éléments. Voilà, donc c'est une occasion pour nous de nous produire sur scène. Bien, j'espère que ce soir la troupe Oreignari présentera un beau spectacle et que le public sera conquis. Que surtout tous les éléments puissent être joyeux sur scène et que l'on donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Yarana, moi je suis Brenda Tihoni, je suis auteur-compositeur pour le groupe de Hinemanea, représenté par Adelina Hanere. Alors, le thème de ce soir, déjà, est représenté par deux chansons. Il y aura deux à Parima, en principe pour 6 minutes. Donc, ça parle, ces deux chansons, dont une parle de la femme sublime, puisque le titre de la première chanson, c'est Hinemanea, hein, qui veut dire femme sublime. Donc, en principe, elle représente un peu la femme
qui est rapprochée à la mère nature. La seconde chanson, c'est la Vahine Ori, le titre, et ça parle encore de la femme qui danse et qui se montre plaisante, belle, voilà, et représentant la culture polynésienne. Je compose depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je compose et les chansons viennent comme ça. Ce ne sont pas des chansons exprès pour le Hurata Peiru, ce sont des chansons que j'ai composées et avec Adelina, avec qui je travaille souvent sur des projets artistiques, eh bien elle choisit, elle prend les chansons et elle en fait une chorégraphie avec. Moi, je ne suis pas trop Heiva, mais en allant à l'extérieur où j'ai vu l'ampleur qu'il y avait aux États-Unis et dans d'autres pays, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, j'ai voulu exprimer, faire savoir que les femmes aiment, mais les femmes polynésiennes et à l'étranger aiment la danse tahitienne. Certes, c'est un concours, mais ma participation, ce n'est pas de gagner avant tout, mais surtout de participer et voir l'engouement qu'il y a au travers de ces prestations. Bonsoir, je me présente Shongi Keholani, chef de groupe de Hitriba. Ma formation de ce soir concourt uniquement en Mehura sur un chant intitulé Arioi. Le thème de ce soir que la troupe, que ma troisième formation a choisi est sur les Arioi. C'est un groupe de personnes qui voyageaient avant en pirogue dans tous les districts et animaient les soirées dans les villages. J'ai choisi le thème des Arioi car le texte m'inspirait et l'histoire de ces personnes était très intéressante.
je leur souhaite de prendre beaucoup de plaisir et que le public profite de cette belle soirée. Et oui, c'est déjà fini. Mais n'oubliez pas, à partir de 21h15, vous retrouverez l'intégralité du spectacle. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Nana!